Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de moto parce que t'as vu j'ai mis le cuir. Alors c'est logique que ça soit une moto, même si des fois je monte dans les voitures que j'ai mon cuir, enfin bref. Une petite moto très 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 sympathique qui marche bien. Enfin qui marche, on va voir ça en vidéo. Mais je vous fais pas attendre et je vous la fais voir tout de suite. Petit Z750. Full mon copain. Ça va faire le premier que j'essaye. Et je pense que ça va être beau. Avec le bleu, la couleur, elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien le bleu, en plus c'est le soleil. Alors on voit bien dessus. Je vous fais le tour vite fait. Après je vous explique plus en détail, comme d'habitude, vous connaissez. Quand tu vois la flûte, là tu te dis que c'est pas pour blaguer mon copain. Parce que j'ai le propriétaire qui l'a a roulé sur la route avec et j'ai vu le retour catelage. C'est insolent. Du coup voilà. Alors du coup on va commencer par le côté comme ça va changer un peu. Alors du coup on voit bien bah, le pare-boue qu'il y a là en bleu avec la couleur, la même couleur que la carrosserie. Les petits clignotants en pointe, c'est les mêmes que j'avais sur mon bandit. Exactement les mêmes. En pointe comme ça, vous voyez bien. Les petits feux de chez Kawasaki, toujours la même forme avec ça fait des petits genre de petits yeux. Voilà. La bulle bleue, on la voit bien, en plus c'est cool, il y a du soleil, alors ça va, c'est cool. On voit bien la couleur de la moto tout qui reflète dessus, c'est ça qui est sympa. Avec les petites visseries bleues aussi. En fait tout, elle est full bleue la moto, sauf les jantes qu'on va passer là-dessus dessus juste après. Je fais juste voir le truc. Voilà, les petites protèges pour le radiateur en gris. Après, c'est un petit détail. Hein. Les petites jantes, comme je vous disais, en blanche. Bon, elles sont sales, mais c'est pas grave. Déjà, c'est déjà sympa. C'est déjà bien sympa au propriétaire de la laisser filmer. C'est déjà bien sympathique de sa part, enfin de la filmer et de l'essayer aussi. Et du coup, voilà, les petites jantes blanches. Voilà, avec le petit. Ça, je me rappelle plus du nom à chaque fois. On me l'a déjà dit. Le petit sabot, pardon. Excusez-moi, petit sabot noir qui revient jusqu'à là. On va voir de l'autre côté aussi. Ça fait un petit style, faut aimer. Les sabots, faut aimer. Moi, sur ma UR5, si t'as pas été voir la vidéo de ma UR5, moi, j'en ai pas de ça. Il y a juste, tu vois, juste les échappements. Mais j'en ai pas. Enfin, après, ça dépend des motos aussi. Hein. Tu peux rajouter où il y en a. Tu peux le rajouter, il y en a qui ne l'ont pas, etc. Voilà le moteur comme ça. Petite Z750 full mon copain. Ah du coup là on va passer sur un point très très jouissif que j'adore. L'échappement. Un petit pot Akrapovic qui crache des flammes à skip. Ah, ça prend vidéo. Tu veux voir ma... Voilà la petite jante à l'arrière blanche, comme on voit, avec les petits diabolos pour lever la moto quand tu fais ta vidange, ta sombre vidange. Petit diabolo bleu. Voilà pour la partie basse. Hein, ouais, ça, après c'est le petit diabolo ici un peu aussi bleu. Ça le protège chaîne, enfin le pare-chaîne ou je sais pas comment ça s'appelle, noir. Voilà, le lèche-pneu à l'arrière, noir aussi. En fait, sur le Z1000 que j'ai filmé, ça fait les mêmes dessins en fait. On voit le petit creux qu'il y a. Ça fait, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a les petits creux qu'il y a là. Puis là, sur le Z, ça fait pareil, enfin le Z1000, ça fait pareil, mais il y en a plusieurs. Enfin bref, c'est un petit détail. Voilà, petit moteur. J'aime bien la couleur de ça. Je sais pas si c'est que ouais, bah, moitié bronze ou marron. J'adore la couleur. Petit calepin à l'arrière. Quand tu prends ta femme derrière là. Tu prends ta femme sur la selle. Du coup voilà, on va passer par le poste de pilotage. Alors t'as des petits rétros en forme de pointe comme ça. Je pense j'ai pas regardé mais on doit bien y voir quand même dedans. Parce qu'ils sont assez larges et tout ça.
Tu regardes. Du coup, voilà. Ils ont pas de marque, par contre, je sais pas la marque. Oui, il y en a une. Non, non, c'est pas une marque. Voilà. Les petites poignées rhizoma, ça c'est archi bien. Mais là, c'est des vrais en plus. Parce que moi sur mon bandit, j'en avais mis des fausses et c'était carrément de la merde. En fait, la poignée conducteur a tourné dans le vide. Ah, t'étais, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Le régime était pas le bon au niveau de la. Tu sais, quand tu tournes la poignée, quoi. Elle à se dérégler, quoi. Tu pouvais tourner dans le vide avec, c'était carrément con. Du coup, voilà, ça se passe comme ça. Les poignées rhizoma, elles sont archi bien en plus. Mais là, c'est des vrais. Avec les petits en bout de guidon aussi, rhizoma. Vous voyez. En plus, je suis archi content parce qu'il fait archi beau. Et c'est cool. En plus, le matin, il pleuvait, j'étais archi vert. Et là, il fait beau, c'est cool. Le petit truc pour l'assurance, c'est bien. Moi, normalement, il y en a. Enfin, c'est par là qu'il y en a qui les mettent par là. Mais bon, chacun a ses goûts différents de là où le mettre. Le petit support de téléphone, tu connais mon copain. Ça, sur les Z, cette forme-là, il y est tous. Voilà, tu reviens par là. Avec le petit compteur fou, tu connais. Sur le Z, il y a exactement le même. Si tu me vois, si tu regardes souvent mes snaps ou mon Insta, tu dois souvent voir le Z1000 vert. Et voilà, si tu m'ajoutes, ajoute-moi. Je le mettrai en description en bas. Mon snap et mon Instagram. Et tu pourras m'ajouter. Tu pourras voir les sales stories que je fais souvent. Voilà, avec le petit bouchon de réservoir noir. Ça fait archi bien, ça fait un petit détail. Là, le logo Kawasaki, la petite pour protéger le réservoir, petit Z, comme ça, Z750 comme il est marqué ici. Alors moi, je kiffe trop aussi, c'est la selle. En fait, tout va bien avec la moto parce qu'il y a du noir et du bleu. Et la moto, elle est noire et bleue. Enfin, si vous voyez bien, il y a juste du blanc, mais c'est pour les jantes, c'est à part, c'est différent, ça fait stylé. Bah, le gars, je suis con, le blanc, tu le vois là. Voilà, tout, elle est parfaite cette bécane là. Il y a du blanc, du noir et du bleu. Du noir avec là tout ça, du bleu avec la carrosserie de la moto, du blanc avec les insignes sur les jantes. Impeccable. Du coup, je vais vous faire voir plus en détail la selle. Ça fait une sorte de petite flèche, je sais pas si vous voyez, avec la en cuir noir et la cuir bleu. Cuir bleu sur les motos, c'est rare à voir quand même. Enfin, à mon avis, il a dû. Enfin, le propriétaire a dû le. Enfin, je pense qu'il l'a pas acheté comme ça la moto, mais il a dû la payer quand même. Enfin, je sais pas. Faudrait que je lui demande. Avec les petites surpiqûres blanches. Oh, franchement, la selle elle est archi bien, je kiffe trop. Voilà, à l'arrière aussi. Bah, en fait, ouais, je suis con, ça fait une flèche. Une flèche là et une flèche là, en fait, c'est tout. C'est des petits détails. Du coup, voilà, avec le petit anodisé Z750, mon copain. Tu crois en blague, nous, quand on fait ça? Voilà. Du coup, on va passer à l'essai. Je vais m'équiper. Enfin, je suis déjà équipé. Là, je vais mettre mon casque et tout. Et on va aller faire l'essai. À tout de suite, mon copain. Parce que bah toutes les motos sont tous différentes et elle était vachement enfin, moi je suis un peu petit mais t'es vachement couché sur l'avant, c'est un truc de ouf. En tout cas, marche fort hein. Et comment elle chante bien. Wow. Je vais refaire deux ou trois essais puis après la vidéo, on terminera la vidéo genre, à la fin. Et du coup bah je vais en profiter tout de suite, je voulais remercier le propriétaire parce que c'est vraiment cool d'essayer des bécanes comme ça. Il n'y a pas tout le monde qui précise des motos un peu différentes et tout, et bah, je voulais remercier le propriétaire qui est là-bas. Du coup je vais faire deux ou trois allers-retours puis bah après on va terminer la vidéo. En route, comme moi, chante mon copain! De ouf.
La petite flamme à la fin. C'est invisible. Alors, la vie de ma mère, elle est insolente, la mécane, c'est un truc de baiser. Le son qu'elle fait, ah, c'est dingue. Comment elle marche fort. Et si t'as aimé cette vidéo là, hésite toujours pas bah, à t'abonner, parce que c'est comme ça que ça marche. À lâcher un pouce en l'air. Et j'en tremble encore, frère, j'ai dans tous mes esprits. Je te jure. Et si t'as aimé, bah, parce que moi j'ai bien aimé, la balle bite. Si t'as aimé, bah ouais, le pouce en l'air. Si t'as pas aimé, le pouce en l'air, comme d'habitude, tu connais. À t'abonner, parce que à mon avis, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver de plus encore plus sales, je pense. voilà, t'abonner, partager. N'hésite pas à me lâcher en commentaire aussi. Tout ce qui t'a plu, tout ce qui t'a déplu sur la présentation, l'essai, tout ça. Voilà. Allez, salut! Bonjour!